Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Solasta où on venait de... Pourquoi je peux pas bouger? On venait de quitter... je peux pas bouger. S'échapper de la grotte. Oui, ben j'aimerais bien. Pourquoi je peux pas bouger? Oui? Le jeu? Le jeu? C'est un early access, faisons un reload pour voir ce qui se passe. L'équipe de la Muerte en venait d'être attaquée par une sorte d'homme lézard et nous venions d'apprendre que celui que nous recherchions, le capitaine Henrik, avait été capturé. Nous avions vu quoi que Ymir était un homme qui préférait se cacher pendant que les autres préféraient se combattre. Évidemment. Nous étions au niveau 2, nous avions monté de niveau lors du dernier épisode. C'était très intéressant parce que nous avons vu que Tormund, maintenant, pouvait lancer 4 projectiles magiques plutôt que 3 comme Ananoïmé. Parce qu'il est devenu choc mage alors qu'Ananoïmé est-elle restée. Voilà, merci, on peut se déplacer maintenant. Est-elle restée une mage érudite? Ok, donc là apparemment c'est la suite, hein, on voit la quête qui va par là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ok, il n'y avait rien, très bien, c'était intéressant. Ou pas. Ok, très bien, en avant. Alors... Et on s'était fait attaquer ensuite par plein d'autres de ces hommes lézards. Donc nous avions préféré fuir car nous avions vu que notre ami Robard s'était fait défoncer le cul. This one didn't die yesterday. What's this outfit? Tir Marion. Who wants to open this? You never know, there might be a fortune in there. Oui, des richesses. En avant. Ok. Cette Ananoïmée, quoi. Avec ses 9 de force qui défoncent tout. Blef! Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Un parchemin de couleur d'encens, très bien, de l'argent, une armure de cuir et un journal de l'inquisiteur. On va tout prendre. Cette armure de cuir magnifique. Alors, à qui on va la donner? Eh bien, je sais à qui je vais la donner. Tonche, je t'aime. Voilà, tu auras accès à cet équipement supplémentaire. Ta CA passe donc à 16. Est-ce qu'il y a eu un petit changement de... Hein, il n'y a pas eu de changement de skin. Ah, j'espère qu'ils vont mettre ça pour en fin de early access, des changements de skin quand on mettra des armures plus évoluées. Ok. Je voulais pas cliquer sur le journal, il n'y a rien d'autre. Très bien, il fallait donc forcément aller par ici pour aller chercher ces richesses supplémentaires. Très bien. Et on a une naine, Baril bleu pierre, Barbe Pierre, qui est une sorte de prêtresse, et lui qui est une sorte de rôdeur humain. Tout cassé. C'est un humain. Wait. Think they're Sorax? Who else? We can surprise them. Can't we sneak around? From what I see, not a chance. All right. Tread lightly and we all attack at once. Ok. Les attaques surprises. Si vous parvenez à vous faufiler près d'ennemis qui ne sont pas conscients de votre présence. Vous pouvez les prendre par surprise et les forcer à perdre leur premier tour de combat. Pour ce faire, cliquez sur une option d'attaque ou sur un sort d'attaque avec un de vos personnages, ciblez un ennemi et confirmez l'attaque. Cela déclenchera le combat et vous donnera l'avantage de la surprise. De plus, tant que vos personnages ne se font pas repérer, ils ont l'avantage sur leur jet d'attaque. Très bien. Alors, tout le monde en discrétion. Alors, on voit ici qu'on pourrait se reposer si on arriverait à tous les tuer. Alors, Umi, toi, il faudrait que tu descendes.
ici, toi ici, et toi t'as une épée aussi, hein. Tu vas descendre aussi. Non, toi tu descends, je t'ai dit. Projectile magique. Ok, le combat a commencé. Normalement, on a notre. Ouah, ils ont une initiative de taré par contre. Ok. Tu peux te dégager de là. Venir te mettre à couvert ici d'ailleurs. Allez, viens te mettre à couvert ici. Finis ton tour. Surpris, surpris, surpris. Ok, Janine. Janine, tu pourrais venir ici. Et t'as des sorts. Alors, tu veux venir jusqu'ici. Il y en a un là. Alors, est-ce que tu as un sort d'attaque? Alors, tu as une flamme sacrée, très bien. Bénédiction, éclair traçant. Ça fait combien de dégâts? 4d6? Loupé ça! T'es nul! T'es nul là, t'es nul! Nul, nul, nul. Bah toi, tu vas venir jusque là et tu pourrais peut-être foncer jusque lui pour le prendre à revers. Car normalement, il ne pourra pas jouer. Eh bien, viens directement au corps à corps, mon ami. Ok. C'est à Humir. Humir, si tu viens là, tu peux tirer sur lui. Alors, tu as un sort aussi, hein. Tu as une dague de l'ombre qui fait combien de dégâts? 1 des 8 dégâts. Bien, lance ta dague de l'ombre sur lui. Ok, il a pris un peu de dégâts. Bravo à toi, mon petit Humir. Tu vas foncer. Tu vas foncer ici. On a vu qu'il pouvait tirer, hein. Alors, faisons attention quand même à ce qu'on fait. On va se mettre à couvert. Fin du tour. Tonche. Tonche, 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 tonche. Alors, attention que Tonche, lui, n'a pas la dague magique. Car bah, il n'est qu'un halfling. Alors, tu peux tirer sur lui par contre, vas-y, tire sur lui. Ah, tu l'as raté. On, ça suffit pas. Ok, ruse, foncer, tu vas foncer. Où est-ce que tu pourrais foncer? Ah, bah là, là tu seras couvert. Très bien. Et au moins tu verras à peu près tout le monde. Pourrait être intéressant. Ok, fin du tour. Ennemi, si tu te mets là, tu peux pas tirer sur celui qui m'intéresse. Mince, je peux pas tirer sur celui qui m'intéresse. Bien, c'est pas grave, on va commencer à en entamer d'autres. On va tirer sur celui-là. Sort. Projectile magique. Attention qu'il me reste plus qu'un seul sort après. Hein. Ok. Ok, pas mal. Fin de ton tour. Ok, toi tu es surpris, toi tu es surpris, toi tu es surpris. Ok, c'est à eux de jouer. Alors, Tormund. Tormund, tu pourrais venir là. Alors, par contre, est-ce que d'ici, tu les vois ou pas? Un, il reste combien de PV à lui? Un PV, donc tu le tues forcément. Celui-là, est-ce que tu le vois? Tu le vois. Tu vas tirer deux fois sur lui et tu vas tirer une fois sur lui, s'il te plaît. Hey, that was mine. Yes! Yes, 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 yes! Vite, au contact! Tu es un nain, tu n'as pas peur. Ok. Ouh, cette esquive. Ah. Je sais pas ce qu'il m'a fait là. Mais Tormund est dans le baba. Ok, la naine va arriver et te taper, te sauver, mon petit Tormund. Come on, you can do better. Ok, sort. Tu peux faire un mot de guérison.
en action bonus, eh bien fais-le. Voilà. Ça, ça va redonner un peu de PV. Ah merde. Tu pourrais venir là par contre. Viens ici. En courant. Ok. Comme ça, lui pourra pas trop se déplacer. Ok. Là, t'as une belle vue. Ok. Est-ce que tu peux tirer sur lui? Ah, mais vous êtes mauvais! Vous êtes mauvais! Descends là, Ymir. Ok. Fin du tour. Tonche. Tonche d'ici, sur qui tu peux tirer? Tu peux tirer sur lui? Est-ce que tu peux tirer sur lui? Oui. Ah, bah voilà! Boum! Allez! Allez, allez, tu vas utiliser ta ruse pour foncer et venir. Non, je voudrais que tu. Voilà. Non. Je voudrais que tu viennes là. Et normalement, après, je peux finir mon déplacement, je crois. Ouais, on peut couper en plusieurs déplacements, donc ça va. Ok, un anonyme, elle va venir là. Elle va faire un sort. Alors, il ne reste plus qu'un sort de niveau 1. Et s'il faut, elle castera armure de mage. Elle va faire un trait de feu sur lui. Yes! Très bien. Ok. Quelle esquive. Ok, lui, on a lui. Ah, un anonyme, mais non! Non! Tu es pris à partie. Ok. Tormut. Tormut peut taper. Ah, Tormut loupe son attaque. Tormut va aller là. Ne combat pas. Ok. Aïe 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 aïe. Il est mourant. Il est mourant. Tormut. Tormut est mourant. Tapez-le. Ah, mais tuez-le, tuez-le! Vite. Un mot de guérison sur Tornoud. Bien. Bien, 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 bien. Très bien. Bah toi, tape sur lui, s'il te plaît. Oh là 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 là, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Ok, Ymir, tu vas prendre ton épée et ta rapière. Et tu vas taper sur lui. Mais vous êtes mauvais, vous le faites exprès. Ah bah oui, ça on se le demande, mon petit Mir. Ok, tu vas venir là, mon petit tonche. Tu vas prendre ton épée et ta rapière et tu vas taper. Vas-y. Yes, voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Bravo à toi. Ananoïmé. Elle est dans le baba. Elle va caster armure de mage sur elle. Et elle va tenter de fuir. Non ! Attaque d'opportunité, il m'a raté. Bravo. Bravo Nanoïme. Ok. You've seen worse. Ça pue, ça sent pas bon. Ok, ah, il peut être sur le mur, sympa, sympa, sympa cette créature là. Allez, regardez, elle est vraiment sur le mur, c'est très très sympa. Ok, vas-y Tormut. Oh, et tu vas mourir, hein. Tu le sais ça. Hein. Voilà. Au revoir. t'es tellement nul que tu meurs. Hein. Bravo à toi. Oh là 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 là. Tu n'as plus de sort, toi, on est d'accord. Très bien. Non, mais si vous êtes mauvais comme ça, les gars, je peux plus rien pour vous après. Bien. Ymir. Tue-le. Bien. Attaque sournoise critique. Bravo. Alors, ruse. Se désengager. Tu vas venir dans son dos à lui. Voilà. Toi, mon petit tonche, tu vas aller là. Ok. Tu vas
vas prendre ton arc et tu vas tirer sur lui. Ah là là, échec. Ça a beaucoup d'armure, j'ai l'impression, ces créatures. Est-ce que je peux le viser? Je peux apparemment le viser. Très bien. Ah, tiens, mange-toi ça. Boum. 21 points de... 2 points de dégâts. J'aurais préféré faire 21 points de dégâts, mais ce n'est pas possible avec des sorts mineurs. En tout cas, à notre niveau. Ok. C'est à eux de jouer. Attaque, oui. Oh non, elle a loupé. Dommage. Ok. Alors. Ah là 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 là, il a fait un échec sur son... là-dessus. Ok, flamme sacrée, s'il te plaît. Ah là là, il a fait une sauvegarde. Il a réussi. Mince. Fin du tour. Hop, allez, attaque-le. Ah là 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 là, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Ok. Oh là là, t'es mauvais toi aussi. Vous êtes vraiment mauvais quoi. Croire que vous le faites exprès. Ok. Alors. Boum! Voilà! Heureusement que t'es là, mon petit onche, hein, quand même. Là, je ne peux pas le voir. Très bien. Mais je peux le taper. Non, je ne peux pas le taper. Donc, techniquement, si moi je ne peux pas, lui non plus ne peut pas me taper. Ben, pourquoi lui il peut? Alors que moi je pouvais pas, mais je m'en fous. La magicienne roublarde a toujours s'enfuir. Bravo à elle. Allez, boum! Allez! Dans ta tête! Ah, tu manges la prêtresse Tormund. Oui, tu as réussi ton jet de sauvegarde contre la mort. Très bien. Eh bien, vas-y, tape-le. Oh là 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 là, t'es mauvaise, t'es mauvaise, t'es mauvaise. Ok, toi tu viens jusqu'ici et tu vas te taper avec tes deux épées. Ok. Oui, on a gagné. Très bien. Ok. Rassemblement de tout le monde. Alors, comment on fait pour le soigner? Bah, de toute façon, on a un repos long, donc on va pouvoir se reposer. Alors, de l'armure, très bien. On va tout prendre. Surtout de l'or. On a eu de l'or. Et l'or, ça, on aime bien, nous. Encore de l'or. Très bien. Désolé, hein, Tormund, tu ne prends pas l'or. Tu n'es qu'un nain. Mais non. Allez chercher de l'or. C'est quoi ça? Une épée courte. Intéressant, 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 intéressant. Prenons tout. Très bien. Ymir. Ymir, tu veux aller chercher de l'or. Très bien. Tout prendre. Il est là. L'or ici aussi. Encore de l'or. Oh oui, tu aimes bien l'or, mon petit Mir. Tu aimes l'or. Oui, de l'or. Mon petit tonche. Mon petit tonche. De l'or. Encore de l'or. Oh, il y a trop d'or ici. On aime ça, nous, l'or. L'or, on aime. Ok, et ça. Et on sera bon pour un petit repos long. Des rations de survie. À croire qu'ils avaient tout prévu dans le jeu. Alors... on pouvait pousser ça sur eux. On pouvait pousser cet objet sur les ennemis. Intéressant. Tornoud, ne t'inquiète pas. Oui, on va faire un repos long pour que tu puisses récupérer toute ta vie. Ok, commençons le repos long. On récupère tous nos dés de vie et tous nos PV. C'est surtout ça qui est intéressant. Voilà. Ah, yeah. Préparation des sorts. Ouais, on va les laisser comme ça. On va les laisser comme ça. On va les laisser comme ça. Allez.
Ça me convient. Alors, dans notre inventaire. Il me faut de l'or pour le faire. Cagnotte, partage, merci. Alors, humir. Humir. Finesse. Corps à corps, finesse. Corps à corps, finesse. Et la dague. Finesse, lumière, lancer. Prends. Épée courte, dague. Épée courte, rapière. Non, toi non. Toi c'est pareil. Si tu peux prendre une épée courte dans la main, à la place de ta dague. Merci. Et toi pareil, hein, tu vas prendre une épée courte. C'est quand même mieux que le bâton. Voilà, ça nous fait rappel un vieux monsieur. Au niveau des flèches, tu en as 10. Combien il en reste? Tu mires 16. Et toi, il t'en reste 11. Alors, tu vas donner tes 4 flèches à notre ami Tonche qui va. Voilà. Très bien. Alors, on nous avait dit mage. Mage. Ok. Ok, c'est contrôle et pas mage. Non, c'est pas grave. Ok. Tormund, tu en as donc 5. Toi, si tu les enlèves. Ah, bah voilà. Ah, Ymir, tu passes aussi en lourd. Ok. Bah, c'est Tormund qui va porter toute la bouffe. Voilà. Est-ce que c'est dangereux de donner la bouffe à un nain? Je ne sais pas. Bien. Peut-être mettre le sort de lumière. Sort de lumière. Sur ton épée. Pourquoi je peux pas choisir mon épée? Je voudrais que ce soit l'épée à la place du bâton. Voilà. Non mais le bâton, tu peux le mettre dans l'autre. Pourquoi je peux pas le mettre dans. Alors je peux le mettre là. Pourquoi? Attendez. Je peux mettre là et là. Je peux pas faire l'inverse. Intéressant. Bon. Écoutez, je n'ai pas compris pourquoi. Alors, les torches, on n'en a pas besoin. Alors, ok, donc là on a le camp, hein. On peut y retourner quand on veut. On peut monter là? Attendez. Non, il n'y a pas l'air de pouvoir monter. Mais il y a du loot. Il y a du. Tu vois un trap. Très bien. Outil de voleur, échec. On peut recommencer. Ah, c'est parce que c'est le premier personnage. Hein. Ok. Bah écoute. C'est là. Hein. Bah prends tout. Ok. Est-ce que tu peux essayer de le désamorcer maintenant? Non. Ok. Bravo. Vous êtes tous très très doués. Mais punaise, c'est pas possible. Ah, bah voilà. Merci. Il a fallu que ce soit la naine prêtresse qui désarme le piège, quoi. Bravo à vous. Ok. Ok, on peut passer là. Bah, allons-y. Gueulez pas comme ça, vous me faites peur. Can anyone read that? It's all Tiamarian. It looks like a part of an Inquisitor's outfit. So that's from the tower up there? Maybe we're inside the tower. Is that gold? This is history. History all around us. Take it and let's move. The Sorax don't care about history, I'm sure. Lumière toujours dans les bons plans pour voler des choses. On a l'habitude avec lui. Ok. On a récupéré, on a tout volé. Cliquer.
Inspection. Ah, ok. Ah oui, bon, on a récupéré. Très bien. Il y a des petits loots cachés comme ça. Alors. Journal de l'inquisiteur. Aucun membre de votre groupe ne maîtrise cette langue. Ah! Personne ne sait lire le vieux Tirmarien. Très bien. C'est intéressant. Lire. TDC illustration. Bravo. Ça, ça sent le l'early access. Hein. Rappelons-le, le jeu est en early access. Je ne le rappellerai jamais assez dans ce let's play. Ah, ça non. On va passer par là. Ah, non, ça me rappelle un jeu, ça, un autre jeu. Aussi avec des chevaliers. Là, il y avait des il y a des gargouilles quand on tournait les ponts. Ok, il n'y a personne qui peut aller là. En train de repérer, le combat a commencé. Où sont-ils? Je ne les vois pas. Round 1. Fight! Je ne les vois pas. Où sont-ils? Ok. Ils sont dans le noir. Très bien. Bah écoutez, c'est un Anohime qui joue en première. Ici, tu vois quelqu'un? Oui, viens, viens là. Apparemment, tu vois un ennemi. Tu peux lui tirer dessus? Non. Est-ce que avec ça, tu peux lui tirer dessus? Oui, bien feu. Fortune is fickle. Ok, tu as le désavantage. Bah, cours. Ici, tu pourrais. Ici. Et tu pourrais aller. Ah oui, va jusque là, toi. Fonce. Ah, tu peux foncer que jusque là. Bah, fonce jusque là. Ah, et t'en envoies un deuxième. Très bien. Où est-il? Où est le deuxième que tu vois? Par où il envoie un deuxième par ici? Je le vois pas. Ah, un archer. Ça va. Quel talent. Bon, ils sont nombreux, hein? Encore? Ah! D'accord. Elle, il faut pas qu'elle meure. Et lui non plus. D'accord, ok. Intéressant. Arc. Ok, tirer. T'as des désavantages de partout. Et si tu prends ça, tu peux le viser? Oui. Alors, fais ça plutôt parce que au moins ça ne consomme pas de flèches. Ah, il a réussi à l'esquiver. Foncez. Foncez là. Ok, fin de tour. Tonche, tu vas prendre ton arc aussi. Toi, tu te sens, toi, tu n'auras pas le choix que de tirer à l'arc. Tu es en désavantage sur tous les ennemis. Eh bien, tente sur lui. Oh là 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 là. Que tu es mauvais. Que tu es mauvais aujourd'hui avec ton arc. Certainement ce repos. Un saboteur, ça me dit rien, ça. Ça sent le poison, ça. Ok. Tu vas venir là. Tu vas faire un sort. Tu vas genre faire. Voilà ça. T'as sur lui là. Glacé. Fin du tour. Janine. Janine, elle va avancer. Et elle va faire flamme sacrée sur lui. Oh là 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 là, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, on va mourir à cause de vous. Trait de feu sur lui. Allez.
Oh là 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 là, qu'on est mauvais, qu'on est mauvais. Fuis. Tu es une magicienne, ton travail n'est pas d'aller au contact. Toi, tu vas aller là. En laisser d'autres personnes venir te seconder. Ok, tu peux attaquer une nouvelle fois. Ah, bah ça ne peut pas tout le temps marcher. Par contre, le double 19, on a apprécié. Hein. C'est sympa ces petits mouvements de caméra de temps en temps. Dommage que ça se fasse pas plus souvent. Aïe 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 aïe. On va peut-être mourir là. Ok, il a fait un échec, donc il est neutralisé, il est au sol, on aura peut-être un bonus pour le toucher. Oh là 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 là. Vite. Tape-le, oui, on a un bonus. Ah mais même avec des bonus, tu l'as touché ou pas? Oui, tu l'as touché, bravo Ymir. Tu vas foncer. Tu vas foncer ici. Non, tu vas pas foncer alors. Tu vas finir ton tour ici. Tu vas taper toi aussi sur cet ennemi. Yes! Bravo! Et toi par contre tu peux foncer là? Vas-y, fonce là-bas. Ok. Fin de tour. Ok, Tormund. Elle pourra y aller. Donc tu vas plutôt faire un sort, toi. Tu vas pareil faire une aspersion d'acide sur lui. Avec un peu de chance, tu pourras le tuer. Tu peux cibler un deuxième ennemi. Non, ils sont trop loin. Ah là 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 là, il a sauvegardé. Très bien. Tu vas aller par là, par contre, pour couvrir notre ami Ymir. Oui, ils se sont couverts par un mage. Ok. Vas-y. En armure lourde. J'ai pas peur, moi. Pourquoi je suis en désavantage contre lui? Je ne sais pas. Try again. Alors, elle aura peut-être pas le temps de try again beaucoup de fois. Hein. Petit trait de feu sur toi. Ah, il est fort et tout le temps, on est tout le temps en désavantage contre lui. Ouais. Vas-y. Boum! Allez. Hop là, tu vas pouvoir te déplacer. Si tu... Ah, tu peux pas foncer. Eh bien, tu vas venir là. Et tu vas finir ton tour ici. Aïe, 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 aïe. Tormund prend cher. Ah, et bien c'est loupé, très bien. Ok. Ok, Ymir, tu vas prendre ton arc et tu vas tirer sur lui. Tirer sur lui. Bien là. Alors, sur qui tu peux tirer de là? T'es toujours en désavantage, mon Ymir. Hein. Tu es mauvais. Tu es très très mauvais. Ok. Fin du tour. Tonche, mon petit Tonche. Si tu vas ici, monte là-haut. Ok. Si tu prends ton arc. Désavantage, désavantage. Pourtant, t'as hauteur, quoi. Pourquoi t'es en désavantage sur tout le monde? Là, il est pas au 4, pourtant. Bon. Boum! Allez, un petit peu de dégâts, on aime bien ça. Notre ami Tormund, lui, par contre, il peut balancer la max. Non, il va balancer la max. Ok. Tu vas te replier. Ok. Fin de ton tour à la Nain, à la Nain, à la Nain, à la Nain. Lui est mort. Attention, qu'ils peuvent peut-être faire des choses un peu méchantes. Est-ce que si, ouais, si tu fonces, tu peux aller là? Ah, bah viens ici en fonçant. Ok. Quelle naine.
Kellen. On ne sait pas comment elle a fait pour passer par là, mais elle est passée par là. Très bien. Ok. Un petit sort de feu. Allez, un petit sort de feu. Tu vas y arriver. Yes. Bon, un point de dégâts, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de fait. Vas-y, tape-le. Tape-le. Yes. Punaise, trop balèze. Trop balèze. Je suis trop balèze, mon ami. Ici, les deux peuvent te voir. Ici, les deux. Bah, viens te mettre là, comme ça, il n'y en a qu'un seul qui te voit. Au pire, tu te prendras qu'un tir. Très bien, fin du tour. Désolé. Oh là 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 là. On prend cher, hein, ils font mal. Hein. Oh là 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 là. Tanche est mort. Tanche est mort. Tanche est mort. Salaud. Salaud. Boum. Tu as pris des dégâts. Tonche a fait son jet de sauvegarde contre la mort et il a réussi. Toi, tu vas avancer. Aspersion d'acide. Est-ce que tu peux viser les deux ou pas? Non, il est trop loin. Bien, essaye d'acidifier celui-là. Ah, mais ils sont trop forts! Ils sont trop forts! Ils sont très très forts, ces monstres. Hein. Ok, non! Non, 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 non. Non. Attends. Soigne Tonche. Voilà. Tonche est maintenant en vie. Ah oui, d'accord. Quand on a choisi l'action de sprinter, on ne peut plus revenir en arrière. Très bien. Très bien. Eh bien, viens jusque-là. Cette naine qui court partout. Meilleure naine du monde. Ok. Nouveau round. Nouveau round. Round 5. Fight. Allez. Oh, double 1. Double échec critique. Ok. Si je vais là, moi je peux le taper ou pas? Je sais pas. Si je vais là, voilà bas. Ok. Aïe, ils font mal. Ok. Ils font très très mal, hein. Bah écoute, de toute façon t'as pas le choix hein, que d'essayer. Hein. Déplace-toi. Tonche. Ah, c'est peut-être parce qu'ils sont dans le noir qu'on n'a pas de. Qu'on est en désavantage. Another miss. Toi par contre tu vas foncer là-bas. Ok. Voilà, va te planquer un peu. Tornoud. Bon. Tornoud. Ok. 1, 2, 3, 1. Vas-y. DPS un peu. Ok. Il en reste plus qu'un. Grâce à DPS tellement, les mages. Meilleure classe ever, le mage. Ok, bon. Ton sort, il sert à rien, Janine, tu le sais? Ok. Bah écoute, il reste combien de PV? 5, allez. Ok. On a gagné. One foe down. Pouf.
Ok. Allons chercher le loot. On peut être à deux et chercher le loot en même temps. Ok, on va tout prendre. Ouais, non, ça coupe le. D'accord. Peut-être que tout seul à prendre le loot en même temps. C'était à savoir. Très bien. Bon, je vais voir après si on prend tout ou pas vraiment. Hein. Ah, de la bouffe encore. Trop bien. Toi, tu vas là-bas. Oh! Une émeraude. Humir. Il y a du loot là, Humir. Je vais pas laisser du loot, Humir. Prends tout. Humir, tu seras le porte de bouffe. Voilà. Apparemment. Ça Good brille. arms you got. Qu'est-ce qu'il avait de brillant? Rien. Ok. Tout le monde ici. Pourquoi ça brille? Ah mais encore du loot! Humir. Par contre, tu n'as pas tout pris, mon petit Humir. Tu laisses des choses. Et c'est quoi tous ces cierges là? Il y a encore des choses. Mais oui, Humir, il y a encore des choses à ramasser. Mais tu le fais vraiment exprès. Non, il y a encore des. Mais c'est quoi ce bug? Attendez, j'ai 30 cierges sur moi là, vous êtes sérieux? Il y en a encore? Mais c'est improbable. Ok, bon, très bien. Alors. Mot de guérison. Soin. Tu vas soigner Tonche. Remember. Ok. Ah si, c'était ça que je voulais faire. Attendez, revenez ici. On va revenir ici parce que moi j'ai saut. Et je peux peut-être aller jusque là-bas. Ok. Alors, si tu donnes. Alors attends. Qui a le plus de force? On peut pas le savoir. Hein. Enfin, si chez nous aussi on peut. 13, 14, 14, 9. Maîtrise. Qui maîtrise l'athlétisme? Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. On peut pas savoir leur force. Sort. Saut. Et eh oui, mon petit Mir, tu peux An sauter maintenant. extraordinary jump. Et voilà. Bravo, mon petit Mir. Ah, de l'huile d'acuité, très bien. Et tu vas aller chercher celui-là. Aucun chemin vers la destination. Tu peux pas sauter assez haut? Tu peux pas grimper ici. Toi non plus, toi non plus, toi non plus, toi non plus, et toi non plus. Eh bien, très bien, on a loupé un loot. Dommage, c'est parce que nous n'avons pas de guerrier, de paladin. Oh, cet homme qui fait un saut de 1850 000 kilomètres. Ok. Bon, on va continuer. Hein. Nouveau repère à ajouter, ancienne bibliothèque. Très bien. Trois chemins s'offrent à nous. Allons par là. Attendez, Humir peut sauter ça hein, maintenant. Voyons mon petit Humir, tu as le saut.
C'est déjà fini le saut? Ça dure si peu de temps que ça? Ça dure combien de temps le saut? Une minute, mais ça fait pas une minute. Si. Attendez, c'est peut-être parce qu'il est trop lourd. Donne tes trucs à Tormund là. Voilà. Prends ça. Prends ça aussi. Lèche-toi, mon petit Mire. Vide tes sacs. Vide ton sac sur tout le monde. Ok. Ok. Voilà. Hop. Ah, c'est déjà fini, quoi. Oh là 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 là. Bon. Ok. On pourra pas tout looter parce qu'on n'a pas de personne capable de faire de l'athlétisme. Non. Ah, bah c'est la fin de la grotte en plus. Ah, ça me dégoûte. Ah, mais attendez, si c'est la fin. Mais oui, attendez, 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 attendez. Ymir. Sort de saut. Sur Ymir. Vas-y. Such athleticism. Qu'est-ce que tu fais? Quel talent, hein. Yes, voilà. Ok, des parchemins, très bien, des trucs pour faire des parchemins. Ben voilà. Ah, je savais que ce sort de saut allait me servir. Je le savais. Tellement pété. Oh, plein de trucs. Une orbe. Un parchemin de peau d'écorce, des émeraudes, de l'or. Et ok, bah prends tout. Très bien. Ok. Tu vas donner... Ah voilà, on l'a vu se dissiper le sort. Tu vas donner ça à Ananoïmé. Qui pourra les apprendre. Voilà. Alors, lire. Magnésium et la violette colérique pour le parchemin de bénédiction, très bien. Et ça, non, c'était pas ça. Le deuxième, ah, il est, ah d'accord, il est plus bas. Lire, parchemin de sceau, très bien. La mousse abyssale et de la violette colérique, très bien, très bien. Non, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et je n'ai plus de sort. Non, je pense, ouais. J'ai plus de sort avec elle, espérons qu'il n'y ait pas trop de fight. Ah mince, ça refait le bug. Très bien, je vais sauvegarder là et je vais recharger, mais de toute façon c'est la fin de l'épisode car on a vu qu'on était à la fin de la grotte. Ah non, c'est bon. C'est peut-être reparti, voyons voir s'il y a quelque chose juste derrière ou pas. S'il n'y a rien, ce sera la fin de l'épisode. We still have to go back to Caer Cifflin. The road isn't far. I suppose we'll meet again in Caer Cifflin. Are you good to return by yourselves? Of course. Eh, sure. Ok. On n'a pas sauvé Henrik alors. Ok. Eh bien, nous revoilà. Nous devons retourner à Caer Cifflin. Et bien sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.